Et c'est donc ici on sort de la deuxième, sur la deuxième terrasse, prémontée, plus haut. Voilà sur la deuxième. Oh, la deuxième, la première, je ne sais plus quoi. Avec la chaleur qu'il fait en plus. Mais voilà, toujours. Voilà, des Shivas. Hein, qui n'ont pas grand chose à voir avec le bouddhisme. Ça, c'est beau, je vais le prendre plus loin. Voilà, c'est très beau. Et voilà qui est là, hein? Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Yes, j'arrive. Hein? Le voilà. Melkadec. Yeah, yeah. Voilà sur la deuxième terrasse. Hein? Alors, la troisième pour l'instant est pareil. Interdit d'accès, mais on va vite voir. On va voir, donc voilà, des statues, des machins un peu mutilés, un peu tout. Donc je vous invite à observer le sol. Comme quoi, carreleur aussi, c'est un vieux métier. Faut pas croire. Ah oui, il y a un escalier là. Non, merde. Putain, mais c'est où qu'on peut monter? J'espère qu'on peut monter, quoi. Allez, on va voir. Voilà, une statue de Bouddha, qu'elle soit entière, à moitié, décapitée, sans bras, c'est une statue de Bouddha. Et donc, on lui rend hommage, sans se faire trop de soucis, pour l'état dans lequel la pierre est, dans la mesure où, voilà, c'est pas de la pierre. Et ici, vous voyez que on est monté, quand même, d'un étage, et on se retrouve à avoir changé d'époque, même si tout était construit en même temps, hein, faut pas se tromper, quoi. Donc un très très beau Bouddha, comme vous pouvez le voir. Donc tout le monde va à droite, moi j'ai pris à gauche. Ceux qui me connaissent savent que ça fonctionne à peu près toujours comme ça. Hein? Voilà, l'escalier est raide. Hein? Mais voilà, même à l'intérieur c'est très beau, quoi. En plus ici il n'y a personne. Alors que de l'autre côté il y a un putain de groupe de Japs. Tolérance et compassion mon frère, tolérance et compassion. Allez. Donc ici, du coup, il paraît qu'on ne puisse pas monter. Alors, vu l'état de l'escalier, surtout, c'est impressionnant tellement il est raide. Je comprends pourquoi on ne veut pas laisser les gens monter, mais là, ils avaient mis des escaliers en bois, on ne peut pas monter quand même. Là, ça me les brisouille un peu, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Il faut se contenter de ce qu'on nous passe, qui est déjà, je vous jure, très, très, très bien. On va faire le tour pour voir s'il y a un autre escalier qui monte. Nous voilà à l'intérieur, la deuxième terrasse. Voilà, quand je vous dis que l'escalier il est raide, vraiment je ne plaisante pas, l'escalier il est hyper raide. Voilà, d'ailleurs c'est bien expliqué. Faut pas aller sur l'escalier, sinon vous vous cassez la gueule et nous on vous casse tout ce qui vous reste d'entier. Voilà, c'est écrit, donc il faut suivre. Là je crois que c'est une espèce de représentation sacrée, je ne sais pas quoi. Oui, parce qu'en plus, tous ces gens qui vivent par ici, en Asie, ont horreur du soleil, veulent pas bronzer.
Alors mesdames, rappelez-vous de ça. Ici on ne veut pas bronzer quoi. Donc ils se couvrent tous, les japes en plus ils sont mortels. Les japes ils sont mortels, ils sont couverts tout le temps quoi. Ils se mettent même des masques sur les ongles des pieds quoi, je vous jure. C'est impressionnant. Mais bon, les Thaïs aussi, les Khmer aussi. Dommage, j'aurais bien aimé monter là-haut quoi. Mais bon, c'est jamais qu'il y a une pierre qui vous tombe sur la gueule. Mais apparemment on peut monter de nulle part. Hein. Je vois qu'il n'y a personne en haut donc... Donc là il y a un autre petit pavillon à l'intérieur. Yes, I come. Wait. Et voilà, petite perspective. Hein? Vieille pierre. Ça nous fera des souvenirs.